Et ambassadeur américain accrédité en Haïti, en Michel Cézanne, a félicité le gouvernement pour démarche ça, d'après lui, qui gagne en pile importance, non souci pour la population, puis bon service. Lui renouvelé engagement différents partenaires pour faciliter la réforme, pour des résultats, tout le monde attend. Il y a un extrait dans le micro Isaïe Aurélius à Camobile TNH. Nous espérons vivement que ces deux jours de travail nous permettront d'échanger nos idées et de nous inspirer des expériences internationales en matière de réforme de l'État. Son Excellence, le Président Jovenel Moïse, a fait de la réforme de l'État un pilier de sa campagne et son mandat présidentiel. Cette semaine, le Président a présenté aux partenaires les priorités clés, les 7 axes prioritaires de son gouvernement, où l'on trouve au premier plan la réforme de l'État, incluant le recrutement sur concours des jeunes compétents en vue de redynamiser et moderniser l'administration publique, et la mise en place d'un système de gestion des ressources humaines axé sur les résultats. Nous avons vu le gouvernement haïtien prioriser aussi la réforme de l'État dans la déclaration de politique publique du Premier ministre. Et président de la République, là, Jovenel Moïse, qui a participé dans le forum, déclaré ses institutions fortes à PDPI a avancé sous chemin développement. Chef l'État, les gens qui engagé pour servir PIA et puis les compétences pour faire travail là, il a aidé pouvoir public, jouer un résultat, il a cherché pour bénéfice à tout le monde. On suit mon déclaration dans le micro Esaïe Aurélius avec Mobile TNH. J'ai maintes fois insisté sur l'importance d'une gouvernance publique assise sur des institutions fortes, fonctionnant dans le cadre des principes, des règles et des procédures. J'ai aussi plus d'une fois déclaré qu'il n'y a pas de bonne gouvernance sans une bonne administration. Joignant les actes à la parole, j'ai instruit le gouvernement de prendre toutes les dispositions en vue de poursuivre de manière déterminée les programmes de réforme en cours. Encore, le coordonnateur de l'OMRH vient de parler du ministère de l'Agriculture. C'est un constat. C'est un ministère où la moyenne d'âge est de 68 ans. Comment développer l'agriculture dans un pays, dans une situation pareille? Nous sommes en train de travailler. Nous ne sommes pas là pour nous plaindre, pour faire le constat. Nous sommes là pour changer. Ce forum international nous offre l'opportunité unique de partager les connaissances, les expériences, de définir les priorités et de recommander une ligne de conduite. Il se tient donc dans un contexte où le besoin de l'État, le besoin de services publics n'ont jamais été autant exprimés. Où le besoin de résultats, d'actions concrètes de la part des pouvoirs publics ne s'est jamais autant fait sentir. Il devient donc évident que le remodelage de l'instrument par lequel l'État conduit l'action gouvernementale s'impose. Aucun État au XXIe siècle ne peut prétendre se positionner dans la compétition internationale et aspirer au bien-être de ses citoyens sans une administration compétente. Et une fois qu'on est Office Management et Ressources Humaines, OMRH, organisé un colloque mercredi 21 mars là pour lancer
Forum international sous réforme l'État qui démarre jeudi 22 mars là. Premier ministre Jacques Guilafontant, vice-président de la Chambre députée, président FENAM Nantes et parmi diverses personnalités qui étaient marquées présence dans l'activité ça, coordonnateur MRH LAN Josué Pierre-Louis, t'es profité occasion pour expliquer objectif forum. On suit compte rendu Rodney d'Orléans avec Avril Junior. Forum ça, d'après coordonnateur général au MRH LAN, Josué Pierre-Louis, prend l'occasion pour dresser bilan des programmes cadres qui étaient déjà lancés avant de démarrer le troisième programme cadre LAN. Pendant le déroulement forum ça, plusieurs délégations et ministres qui sont dans l'autre pays ont bien pour partager l'expérience sur la CAIO avec les participants. Il y a une volonté que le président exprime, que nous traduit là. C'est que l'idée que réforme non et que toute population, toute force vive nation et participer là-dedans. Parce que dans deux précédents PCRE, programme qui était institué, c'est ça que tu as un grand déficit, un grand manquement. Il y a plusieurs délégations étrangères, il y a plusieurs autres ministres qui sont dans plusieurs pays qui viennent là, qui viennent brasser l'idée avec nous. Puis ouais que qui ça nous fait qui bon la caille nous pour prendre non niveau de partage d'expérience. Et nous-mêmes, tout, nous avons regardé qui ça qui bien la caillou, nous avons regardé comment que nous avons ajusté, nous avons adapté. Forum international sur réformation de l'État a déroulé sous thème amélioration de la gouvernance, cap vers l'émergence du pays à l'horizon de 2030. Voilà, on t'a suivi. On compte rendu avec Rodney d'Orléans avec Avril Junior, côté Office Management avec Ressources Humaines, organisé un cocktail mercredi 21 mars, c'est Forum International sur Réforme l'État qui démarrait jeudi 22 mars là. L'autre sujet, président République là, Jovenel Moïse, accompagné ministre Jacques Guilafontant avec plusieurs parlementaires, visité jeudi 22 mars là, Centre Haïtien d'Investigation avec traitement avancé dans le domaine infertilité Chitaï, dans avenue Jean-Paul II, dans Port-au-Prince. Visite sa fête dans l'idée pour supporter le travail secteur privé dans la société. Reportage Fallon Delphin avec Moïse Wilbridge. Majorité silencieuse là, c'est moment pour nous sortir tête nous. C'est avec parole encouragement ça. Chef l'État a visité local Chitaï là, accompagné Premier ministre là, ministre intérieur, sénateur Jacques Sauvergeon, sénateur Hervé Foucan. Président Jovenel Moïse qui félicite groupe Chitaï qui est spécialisé dans la méthode fécondation in vitro, montrer importance investissement secteur privé dans le pays. Chef l'État promet accompagnement administration là pour les gens qui veulent investir en dedans pays. Sot ça, il est en déposé projet dans le CFI pour développer un projet de médecine touristique en dedans pays. Moi dis, c'est ça n'a pas cherché développement pays, ce n'est pas président seulement, ce n'est pas premier ministre, c'est tout haïtien ensemble. Moi compte sur nous, moi compte sur l'équipe ça. M'a dit que au plus haut niveau du gouvernement, nous prenons engagement pour nous camper derrière développement un projet comme ça. Tout avantage incitatif qui gagne, ça la loi permet que l'État est pour capable de joindre crédit à bon taux d'intérêt qui vous permettre que développement sans ça il fait tout de suite. C'est ça n'attend parce que nous-mêmes nous disons, nous là pour nous accompagner. Ou même qui est une majorité silencieuse qui est cachée, mais de cordure. Directeur fondateur Chitaï Medla, Dr. Harry Beauvais, profite visite chef l'État pour parler sous projet médecine touristique là, qui consiste dans aller étranger et venir prendre bon gens soin ici dans différents domaines. Médecine touristique là, qui s'allie au fait, c'est le fait que l'on offre des services médicaux plus bon marché pour l'autre pays. Même bon exemple bien simple, on dit qu'aux États-Unis, un service t'a coûté 10 000 $. Qu'en Haïti, coûte 2000 dollars. Mais si vous faites aussi bien qu'aux États-Unis, vous n'avez pas de service ici. C'est ça que Saint-Domingue découvre. C'est ça que Costa Rica découvre. Le Mexique, l'Argentine, le Brésil, le Venezuela, avant les petits problèmes, là, en pile pays, en Inde découvre. Et c'est ça que Haïti n'a pas en avant, n'a pas boum là, là. N'a pas avancé pour nous commencer à entrer de plein pied la médecine touristique. Soit appel, m'a tout profité de lancer là. Bah, tout confrère, zami mieux. Tout camarade de promotion, camarade qui promotion après mieux, cap vivre aux États-Unis. Monsieur, rentrez dans le pays. Là. Vin, je vais vous montrer ce qu'on fait pour le succès en Haïti. Le succès en Haïti est difficile, mais il n'est pas impossible. Apprendre goumen et fond goumen pour le pays par nous. L'île pour nous suspendre goumen pour là-bas. Monsieur, rentrez, vin travailler, vin goumen avec nous. On fait Haïti changer. Domaine médical, là, c'est pas nous. Tout docteur, mes amis, mieux, qui vivent aux États-Unis, appelle ça à me lancer pour nous. Je vous attends, mes amis.
construisons notre pays. Depuis 6 l'année, existence centre environ 370 timoun prennent naissance grâce à la méthode fécondation in vitro. Utiliser dernières technologies dans le domaine de la médecine pour bailler bon genre traitement capacité en nécessité, c'est objectif sans chitaille là. Accès à l'eau pour une agriculture de croissance, c'est sous TEMSA, responsable promotion pour développement Promodev, organisé un atelier travail jeudi 22 mars là dans Port-au-Prince. Dans le cadre de Chita Palissa, plusieurs dizaines d'ingénieurs agronomes et agriculteurs brassent l'idée pour qui j'ai Haïti qui avancé dans affaires gestion de l'eau dans le domaine agricole. On suit la précision Talo Bertrand, coordonnateur général Promodev là dans le micro John Herbie Cassius. Nous réalisons l'activité ça aujourd'hui, c'est un objectif pour nous capables d'honorer d'abord les 12 personnalités du secteur agricole. Côté Promodev, ils font un gros travail, ils ont choisi 12 personnes qui font un travail important dans le secteur, soit qui dans le domaine élevage, soit qui dans la production végétale, soit qui dans la recherche ou bien dans l'université, ou bien un expert qui travaille, ou bien un paysan. C'est les gens qui nous ont désigné et aujourd'hui nous avons une plaque d'honneur pour nous capables d'encourager. Pourquoi ça nous fait ça? C'est parce que nous avons un pile de monde qui est découragé dans ce secteur. Et nous avons un pile d'autres pays qui ont honoré les gens qui ont fait production agricole dans le pays. Exemple, la France. La France vient avec ce qu'on appelle l'ordre du mérite agricole. Eh bien, le fait que la France fasse, nous pensons nous-mêmes tout nous qu'à faire pour nous encourager la production nationale là, pour nous arrêter de faire jardin, pour nous arrêter de faire élevage, pour nous continuer avec la pêche là. Deuxième raison qui fait nous réunir là, c'est pour nous capables de réaliser ça, le briefing sur le développement. Le briefing sur le développement, c'est un forum côté nous regrouper des agriculteurs, des agronomes, des ingénieurs, et puis des gens qui sont dans partenaire international là, et en disant dans l'organisation internationale, comme les partenaires de développement, tant qu'on prend FAO qui est là ensemble avec nous, nous allons discuter sur l'accès à l'eau pour une agriculture de croissance économique. Parce que je vous dis à ces journées mondiales de l'eau, nous avons regardé qui gens Haïti a avancé dans la question de gestion de l'eau dans le domaine agricole. Directeur général JL Fanchuzla, ingénieur Jean-Lucien Ligondé, dressé un bilan positif sous production compagnie SA qui fait soulier trois l'année après limité compagnie SA campé. L'invité homme d'affaires yo investi dans production nationale là pour Kabay Haïti j'arrête et puis participer dans relance économie pays. Reportage Anne-Marguerite Auguste à Bernard Marseille. Création compagnie ça c'est pour attirer attention divers autres secteurs sur capacité Haïti gagner pour produire la caille. Président directeur général JL Fanchuzla, ingénieur Jean-Lucien Ligondé, expliqué trois ans après production soulier yo doublé, yo gagne cordonnier qualifié qui permet yo présenter un produit qualité sur marché ya. Ingénieur Ligondé exprimé satisfaction pour avancement compagnie malgré quelques difficultés. JL Fanchuzla pour exporter dans deux mois aux États-Unis. On a parlé de production de 6 000 perles en deux ans avec les Américains. On a envahi l'autre marché, on a entré dans l'autre mode de production. Donc pour nous-mêmes, je dis, jeunes cordonniers, nous avons une maîtrise du métier qui fait que pour nous, le pari est gagné. Le pari est gagné également parce que au niveau du risque, dès que nous commençons, comme le ministre Albert Emédi dit, les signaux étaient au rouge. Tout le bagage était dit, nous pas aller. Mais nous avons pris un risque là. Nous avons pris un risque là avec des enfants en milieu précaire. Ça veut dire que nous avons investi dans des petits mouns. Nous avons même pensé que ça était capable de difficile pour eux. Nous ne pouvons pas avoir la gueule là ou tout. Mais grâce à Dieu, ils ont été 95% des enfants qui sont entrés à l'usine sans quoi à l'usine, donc le pari est gagné. Jimmy Albert, membre conseil d'administration JL Fanchuzla, croit l'esprit tête ensemble, c'est une qualité qui a aidé le pays à avancer et puis arriver à produire plus. Dans ce sens, il invite l'autre monde à suivre l'exemple JL Fanchuzla. Pendant que nous avons demandé à Haïtiens aujourd'hui pour que par amour pour le pays, pour nous chercher à vivre ensemble. Ça. Parce que automatiquement, comme Haïtien, nous arrivons à entendre nous, ou à saisir que le pays a gagné des bons extraordinaires. Que la café dans 5-10 ans, tout problème, non, c'est ça. C'est entendre nous mal pour nous joindre. Pour que nous façonner un pays de manière commune. Nous dégager une vision d'ensemble de ce que nous voulons pour le pays. Qui pays nous voulons dans 10, 15, 20, 25 ans pour tout le monde nous? C'est là où le problème est. Nous ne pouvons pas arriver capable de faire sacrifice qu'il faut
pour que nous façonnions ensemble. Je nous rive faire ça. Mais quoi que, bon bon retard que le pays a connaît, n'a pas rive capable de combler. Ingénieur Ligonde a annoncé disposition li gen tan pran pour investir dans le secteur agricole là. Li croit investir dans le secteur sa yo a permettre création plus travail cap empêcher jeunes yo parti quitter pays pour aller chercher la vie meilleure l'autre côté. C'est le moment pour nous observer une autre pause commerciale. N'a tenu pour notre information. L'émission. Information, merci pour fidélité et attention. Président République là, Jovenel Moïse a visité dans la nuit de mercredi 21 mars là, travail réparation avec agrandissement puis aéroport Saint-Louverture. Chef l'État fait visite ça dans objectif pour garder dans qui état travail a avancé. Ministre Travaux publics transport avec communication Fritz Kayo avec directeur général autorité aéroportuaire nationale AN Yervin Mehu t'es accompagné président Jovenel Moïse pendant visite ça. On suit un reportage avec Roosevelt Desrosiers et Jean Fleury. Le président de la République, la Jovenel Moïse, arrivé dans l'aéroport international Toussaint Louverture, il prend direction à droite piste là. L'espace ça, l'installation matérielle lourde qui a fait asphalte pour le déposer sous piste là. Sous chantier ça, chef l'État a salué technicien et puis dialogué avec responsable Nanrazak Akvob, deux compagnies qui ont exécuté travail réparation et agrandissement piste aéroport. Après explication de mes responsables Sayo, sous comment travail a fait sous chantier, le président République a été rendu sous piste là. Là, plusieurs techniciens mobilisés avec machines qui ont retiré ancien asphalte et puis mettre l'autre couche tout neuf. D'après le ministre Travaux publics, Transport et Communication Fritz Kayo, travail ça qui fait chaque soir commence depuis environ 2 mois. Il doit finir dans le mois de juin. Puis ça au port, qui est censé être fait depuis 1982, ça fait environ 36 ans. Depuis que yo font intervention sous piste aéroport. Voilà, c'est la haute technologie et son travail qu'a fait non temps record. Travail là dans un premier temps, nous connaît que gagnent ça relé et OACI, des gain normes pour aéroport international dans tout pays. Donc et piste ça nous là son piste qui était gain environ 42,50 m. Donc d'après normes internationales, donc nous obligés, par exemple, mettre piste aux normes. Actuellement, nous avons une piste qui est environ 45 mètres. Balance qui était pour nous atteindre 45 mètres, là, parce que, pas oublier, c'était 42,50 m. Actuellement, nous avons environ 45 mètres de largeur de piste. Et son chantier commence chaque soir à 9h30 du soir, il finit exactement à 5h du matin, le temps pour nettoyer piste. Yo fait environ 150 mètres par jour et pour être nettoyer et faire signalisation. Travail réparation et agrandissement piste aéroport international Toussaint Louverture coûte 22 millions de dollars américains d'après coordonnateur infrastructure aéroportière dans le ministère des Travaux publics, Transport et Communication, Jean-Daniel Dominique. Dans l'agence, Agence américaine pour développement international USAID baille 18 millions de dollars américains. Et puis l'État haïtien mettez 4 millions. L'autre sujet, député circonscription Henry Choiseur-Chassiac, député Limonade Lante, Anistérius, déploré séance qui n'a pas réalisé dans la Chambre députée à cause pas de quorum. Deux parlementaires, ça y est, des collègues députés, fait effort pour participer dans la séance de travail. On suit un extrait dans le micro Saint-Croix-Paki avec Moïse Wilbridge. Ce n'est pas la première fois que le quorum est imprimé dans nos séances. Maintenant, lorsque on doit faire monter tout d'abord au début, on n'est pas facile. Et voilà pourquoi que nous-mêmes nous avons toujours fait appel à sagesse député. Nous fait appel à conscience président bloc. Parce que séance, ce n'est pas le bureau seulement qui a fait, ce n'est pas le président bureau qui a fait. C'est l'ensemble des députés qui a fait. C'est au moins 60 députés pour qui présent. Pour que quorum n'a constaté. Maintenant, si quorum n'a été constaté au début de la séance, et puis lorsqu'on a pris vos votes, quorum n'a exprimé, mais c'est normal que le président leve séance. Ce que nous-mêmes nous demandons aux collègues députés, font effort, vite dans la séance, parce que nous connaissons que certainement, il y a un pile d'activité. Il y a des députés qui sont à la recherche de choses pour mener dans la circonscription. Il y a l'autre qui a préparé soit en fête patronale. Même parce que 60 députés, je pense que c'est minimum. Pour nous rejoindre pour que nous organisions séance en chambre députée. Et moi-même, moi toujours là. Depuis que je n'ai pas de contrariété, je suis toujours là. Et je pense que
député qui pas venir facile que au fond ils font c'est parce que toujours c'est le même visage et moi c'est que bureau a gagné pour que les mettre règlement intérieur en application pour que les forcer l'autre collègue qui sous pour une raison ou l'autre qui pas venir dans séance qui pas motivé que pour faire venir dans séance mais tout député qui où est là ces députés qui sont des responsables. Tout député qui pas venu, nous considérons comme des irresponsables. D'ailleurs, nous venons nous-mêmes, nous avons mission pour nous capables de travailler. Mais je sais, c'est pour tout le monde là. Bon, pas qu'on ait qui problème, qu'on ait fait Saint-Joseph, mais Saint-Joseph fini, parce que tout député est supposé là. Mais j'ai posé problème, c'est que ce sont des blocs et majoritaires, blocs minoritaires. C'est pas bon, même pas faire approche là comme ça. Mais pour pays à bien fonctionner, j'en tout pour n'a pas espéré là, c'est pas celle chambre députée, c'est tout acteur qui concerné, qui pour prendre conscience que pays a pas bien marché, puis on met mais pour nous avancer. Là, ça qui a passé là, que personne ne va apprécier. Moi-même, comme député qui sorti dans la circonscription Limonade, moi j'ai comme mission chaque 11 heures pour me venir dans la séance. Non, ça qui a été à l'état de santé, sénateur Naroum Marcellus, ancien président de la République, là, Michel Joseph Martelly, qui a annoncé l'Iran parlementaire à visite matin en un mémorial hospital en Floride aux États-Unis. Ancien chef d'État qui était avec Madame Sophia Martelly, dit les constater état de santé parlementaire a évolué pendant le souhait pour le faire avant longtemps. Accident vasculaire cérébral, AVC, a attiré en pile attention par rapport à un problème les causés dans la population. D'après quelques spécialistes, c'est grand monde qui était fait maladie ça pour qu'on y a un pile jeune fait les tout. Pour permettre à la population qui s'allie, qui comportement yon doué gagner pour éviter AVC, yon équipe télévision nationale te fait un petit palier à quelques spécialistes dans le domaine ça. N'a invité au suivre reportage Rachel Saint-Fort, Rémi Godjit avec Henri Robert Chéri sous question ça. Accident vasculaire cérébral AVC, c'est un accident qui fait dans un vaisseau dans le niveau cerveau. Il est capable d'un accident transitoire qui dure quelques minutes et puis moun nan récupéré. Les cas plus graves, côté patient, besoin d'une bonne prise en charge médicale qui dure plus longtemps. Gain de type AVC, AVC ischémique, côté un cas au sang bouché un vaisseau dans le cerveau et puis empêcher sang circuler. Gain AVC hémorragique, côté un vaisseau sanguin pété dans le cerveau. Ou AVC, c'est comme le terme indique, c'est l'abréviation accident vasculaire cérébral. Donc, soit accident qui passe au niveau de vaisseau. Le cerveau. Il est considéré comme une maladie grave, mais le degré de gravité peut varier selon le vaisseau atteint et selon la pathologie en cours. Donc, qui s'allie. Il y a un accident banal, il y a brusquement un déficit, il n'y a pas parler, ou bien un membre qui est paralysé. Et puis, il a fait en quelques minutes et puis tout est rétabli. C'est ce qu'on appelle un accident transitoire. Il y a un accident qui est prolongé, qui va nécessiter une bonne prise en charge médicale. Et surtout une réhabilitation à la longue, qui a une récupération ad integram, ou encore, on a arrêté avec des déficits. Ensuite, ce sont des accidents qui sont secondaires à des facteurs qui prédisposent à ça, facteurs prédisposants. D'abord, il y a l'âge, puisque l'âge des vaisseaux va avec l'âge de l'individu. Il y a des maladies qui sont bien connues pour être des facteurs de risque. L'accident vasculaire cérébral, pas vrai, l'hypertension artérielle sévère, le diabète, d'autres maladies vasculaires. Et ces maladies-là, on les rencontre surtout chez l'adulte. Mais il y a aussi des maladies des enfants, soit des maladies qui favorisent l'ischémie à travers des caillots, ou encore des maladies de type hémorragie. Moun ki chita en pile, qui pas fait sport stress, c'est quelques facteurs qui la cause moun fait accident vasculaire cérébral. Visiter médecin, prendre conseil sur façon pour nous manger, pas consommer trop sel, si graisse, c'est quel comportement qui peut aider nous éviter AVC, d'après quelques spécialistes dans le domaine. Nan. Prévention capable de faire dans l'hygiène de vie que nous avons, façon que nous vivons dans la ville, il fait sport, il fait visite médicale, prévention en tout capable de faire de façon ponctuelle, côté il y a des tests de dépistage. De mon côté, on a fait ACV. Je me souviens dernièrement, tu as une clinique docteur Mincé,
te gen yon ekip ki te vini ki ta fè de tèt de dépistage, kap gade 20 yo, 24 nan kou yo, 20 ki sot nan jam yo, paske pi fò ka yo yo, se nan jam yo soti. Pi fò ka yo. Kon wè moun nan chita trè bien, el pa gen problèm, li chita, e bi l fon leve, e bi ka yo a ki te bloke nan jam nan, e bi l monte, la sirkule, sirkule, kou el rive kote, li pa ka pase ankon, li pete l. Donk, gen aspe sa yo, fòk moun yo konnen ke sante an, se avan tout, se prévention. Selon kèk responsable l'hôpital général, nan sa ki gen pou wè ak realité peyi d'Haïti, yo resevwa nan servis urjans 40 à 50% ka AVC. Dapre kèk etid ki fèt, ayisyen riske an pil pou fè AVC par rapport ak fason yo manje, nan pa al l'hôpital pou soye maladi yo genyen ki ka la koz yo fè AVC. Yo invite population al wè medsen, fè test dépistage, suiv konsey medsen yo sou fason pou yo manje, fè sport, yon fason pou proteje la vi yo. Santé avan tout, se prévention. Député circonscription Akaya Pierre Fekir Julien a alerté autorité police nationale là sur phénomène insécurité qui a valé terrain non cité drapeau. Yon l'autre bord, député Akaya mandé à instance concernée commencer à préparation célébration fête drapeau 18 mai qui a vini là dans commune là. Yon excellent micro c'est quoi pas qui à Gamouizoulbech. Nous avons un substitut commissaire du gouvernement qui est installé à Akaya. Il n'est pas vraiment fonctionnel. Donc, nous invitons le commissaire du gouvernement et le ministre de la Justice à faire diligence pour mettre en place le matériel nécessaire et les ressources humaines et disponibles de façon à faciliter le travail du commissaire du gouvernement. Parce que Akaya est devenu maintenant une zone d'insécurité. Surtout, nous avons deux prisons qui sont plus élevées que le niveau de justice de l'Akaya. Nous avons une grande prison à Kabaret et une grande prison à la ville de l'Akaya. Or, nous sommes encore au niveau du tribunal de paix. Donc, le substitut du commissaire du gouvernement a sa place. L'annexe du parquet n'est pas fonctionnelle. Nous demandons à la justice de faire le nécessaire. Donc, c'est pour parler des services publics. Et donc, le gouvernement dans son ensemble est interpellé pour faire le nécessaire avant le 18 mai parce que Akaya doit être en situation normale pour accueillir les dignitaires de l'État. L'autre sujet dans le journal pour jeudi, un étudiant à l'école normale supérieure a encouragé l'autorité à respecter l'accord qui était signé pour tout étudiant qui finit pour entrer dans le stage. Jean Accord a demandé pour sa fête. Là. D'après Richard Saint-Pierre, un étudiant finissant dans le département sans social qui était rencontré la presse jeudi 22 mars. Là. Étudiant yo a pas toujours kembe lutte mobilisation jusqu'à ce que revendication yo passé. Pierre Richard Saint-Pierre est dans le micro, Colo Elisère avec Rémi Gauthier. Nous souhaitons directement que l'État prenne responsabilité dans la formation que nous-mêmes apprenons à l'école normale supérieure. Donc, formation, ce n'est pas seulement payer quelqu'un de professeur qui vient nous cours, mais normalement, stage-là fait partie de formation. Nous. D'ailleurs, nous connaissons qu'il y a un budget qui a lieu dans le ministère de l'Éducation nationale qui est réservé pour ça. Et par rapport avec l'accord qui est signé entre le ministère de l'Éducation nationale et l'école normale, le rapport ça définit très clairement qui dit que dès que vous êtes étudiant finissant, vous devez entrer dans le stage et après pour admis dans le système éducatif, c'est-à-dire pour nommer directement dans le système. Nous avons observé une nouvelle pause commerciale. Nous avons tenu un petit moment. N'a parlé dans l'actualité internationale pour qu'on y a après plusieurs semaines de négociations, démocrates et républicains météo d'accord sur un texte qui a financé l'État fédéral. Le texte est arrivé abouti en échange à qui ont ensemble demande parmi eux, avenir jeune sans papier, soit limite construction mis sous frontière mexicaine à nous suivre. Shutdown n'a pas dû éviter aux États-Unis. Pays a cap fait j'effort pour sortir tête li en bayon blocage l'état fédéral là après accord ça qui signé entre républicains et démocrates mercredi 21 mars là. Texte ça rend valide un budget 1300 milliards dollars qui en hausse pour année budgétaire ça. Dépenses militaires bondi de 80 milliards dollars ça qui pas jamais fait depuis 15 l'année aux États-Unis. Pour signer accord ça quelques échanges étaient faits avec président Trump par exemple des démocrates ont réussi limiter construction mis sous frontière mexicaine à une cinquantaine kilomètres. Cependant, l'avenir du mesure, jeune sans papier, était incertain. Chambre députée et Sénat ont procédé encore à un vote sur l'accord d'ici vendredi 23 mars.
Ancien président français Nicolas Sarkozy voulait jeter jeudi 22 mars la toute accusation famille Kadhafi à Kaziad Takedine fait contre lui. Nicolas Sarkozy, qui était placé en examen pendant 2 jours, toujours été sous contrôle la justice. Nicolas Sarkozy défend toute accusation contre Lio. Il est invité dans la télévision à soir pour l'exprimer publiquement pendant qu'il est toujours sous contrôle la justice. Dans la déclaration Nicolas Sarkozy, l'objectif c'est pour retirer point par point l'accusation de Siad Siakindi. Nicolas Sarkozy démentit tout un document Monde et Mediapart à faire Sikilia qui dit qu'il a participé dans le lancement à fait judiciaire qui vient 5 années déjà pendant le fait qu'on ait un dossier sans faire rater une autre élection dans le pays de la France dans l'année 2012. Voilà, les invités nationaux. Mettez un bout à journal 1. N'a pas rappelé au grand point avant nous aller. Office Management et Ressources Humaines, ou MRH, l'ouvre jeudi à Port-au-Prince. Forum international sur réforme l'État, en présence président République, la Jovenel Moïse, Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine, président de branche parlement, ambassadeur américain, avec plusieurs personnalités. Président République, la Jovenel Moïse, accompagné Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine, avec plusieurs parlementaires, visité jeudi à Haïtien investigation avec traitement avancé dans le domaine infertilité Chita dans Port-au-Prince. Visite sa fête dans l'idée pour supporter travail Saint-Lan à fait dans le pays. Directeur général Jean Fan Chouzlan, ingénieur Jean-Lucien Ligon dressé un bilan positif sous production compagnie à 3 années après ouverture. Directeur a invité homme d'affaires à investir dans production nationale là pour cabaye économie payant j'arrête. Député circonscription NRIA, Joseph Chancy avec député Limonade Lantanis Tertius, invité toutes collègues au joignon entente pour permettre séance déroulée dans la chambre députée. Chef d'État qui était gagné avec le ministre Travaux publics, Transports, Communications, visité travail réparation avec agrandissement PIS aéroport tout saint l'ouverture. Chef d'État, en main visite ça dans l'objectif pour garder dans qui était à travail avancé. Ancien président français Nicolas Sarkozy voyait jeter jeudi 22 mars là toute accusation famille Kadhafi Ziad Takedine fait contre lui. Nicolas Sarkozy, qui était placé en examen pendant 2 jours, toujours été sous contrôle la justice. Merci tout le monde qui t'a suivi le journal là. Nous souhaitons passer une très bonne soirée. À bientôt.